Je m'appelle Bel Katobi. Je vous donne rendez-vous le 14 septembre 2024 au cabaret Sauvage. Je serai avec mon jeune frère Val Cero. Yo, me quittes, merda. Nobama, oba, pori, yu, yende. Nembe, me, wembele. Nuna, me, toniki. Hanye, we, yine. Mane, madona, e. Rendez-vous le 14 septembre 2024 au cabaret Sauvage de Paris. Que de l'amour, Bel Katobi. Que de l'amour. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Pour construire un peuple et un matériel important qui doit être utilisé. Parce que c'est avec ce matériel, le béton de soutenement de ce peuple devient solide, et c'est l'amour. Lorsque vous voulez construire un peuple, le béton de soutenement que vous devez utiliser, c'est l'amour. Merci, Bel Katobi. Vous savez, quand j'ai appelé Bel Katobi pour la première fois, pour lui demander de venir sur ce concert, moi j'avais peur. Hein. Parce que vous savez vous-même qu'avec mes affaires de politique, c'est très difficile. Il y a des artistes au Camerounais qui n'arrivent même pas à me saluer dans la rue. Hein. Est-ce que vous savez que les artistes camerounais viennent tous ici, là, en Europe, là, où ils ont tous peur de me même de faire la photo avec moi, même de me rencontrer, donc je sais ce que je suis. Donc un grand frère comme Bel Katobi, comme ça, là, prend le risque. Je comprends que non. Le grand frère, c'est wise. Ton grand frère, c'est wise. Parce que je marche ici, là, un moula me croise, je croise les rappeurs ici. Est-ce que vous avez déjà vu une photo de moi avec Lucky plus 2 ou bien... Mais pourtant, je les croise partout ici dans Paris. Pourquoi ils ne viennent pas dans mes concerts? Mais parce qu'ils ont même peur même d'être invités. Je ne veux pas entendre un jour que Valsero ne voulait pas inviter les autres artistes, les jeunes artistes camerounais. Non, les enfants, il faut que ce soit clair. C'est eux qui n'ont pas suffisamment de force pour pouvoir apparaître sur la scène avec moi. C'est parce que eux, ils trouvent que je suis très politisé et très politique. Ils m'évitent. Ils ont peur de s'approcher de moi. Aucun d'eux ne veut faire la photo ou la vidéo avec moi. Je suis un pestiféré. Donc, ce n'est pas moi qui les mets de côté. Non, 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 non. Je tenais vraiment à sortir ça pour que vous compreniez l'importance que le oui de Bel Katobi à mon esprit. Ben, quand tu vois un artiste qui est repoussé par ses autres frères artistes, mais qui profite quand même de venir sur Internet et dire Valsero ne fait pas ceci, Valsero ne fait pas ça. Mais ils ne peuvent pas assumer une photo avec Valsero. Je me rappelle une fois, Kossi est venu chez moi ici là. Il a fait une photo devant mon jardin ici. Il a posté ça sur ses réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Une fois j'ai discuté avec mon ami Kraolo Sage à Tarnac. Je lui ai dit à Kraolo Sage à Tarnac, papa, j'ai au moins 3 salles là qui sont là, que j'organise des concerts là et tout et tout. J'ai au moins 3 dates qui sont là. Et te vois, tu rases les murs avec ton artiste Lucky plus 2 ici. Vous n'avez pas osé. Tu as peur de voir ce qui vous fait que vous préférez aller dans les Nganda, tous les ténors, les machins là. Ils fuient. Je tenais à vous le dire, parce que comme je suis sur la fin de ma piste, en fait, comme je vous l'ai dit, la tournée Par Amour était également la tournée pour consacrer mon dernier amour, mon dernier album, et le plus important pour moi, c'était, voilà, d'expliquer pourquoi j'ai mené la vie que j'ai menée, pourquoi j'ai mené le combat que j'ai mené, pourquoi j'ai donné les coups que j'ai donnés, pourquoi j'ai pris les coups que j'ai pris. C'était Par Amour, l'amour que j'ai pour vous a transformé l'homme que je suis en un guerrier, défenseur de l'intérêt collectif. L'amour, que c'est l'amour que j'ai pour vous qui m'a changé. Et quand tu as de l'amour pour les gens et que tu prends de la place dans leur vie, ça devient une responsabilité. Parce que l'amour, c'est aussi une responsabilité. C'est aussi une responsabilité, les enfants. Donc, je flippais. Donc, je flippais. En me disant, waouh, que le vieux Bel Kassi, il peut aussi lui-même trembler comme ça, il part et tout. Bon, ça aurait seulement démontré que Valsero est toujours tout seul. Et personne ne peut avoir raison tout seul. C'est-à-dire que même si ton combat est noble, quand tu es tout seul, tu te poses quand même des questions. Tu te poses quand même des questions. Même quand ton combat est noble, si tu es tout seul, tu te poses quand même des questions. Tu vois? Et là, attends, j'appelle Bel Katobi. Allô, le vieux Bel Katobi.
C'est comment et tout. J'imaginais déjà les gars au Cameroun en train de lui dire que le gars là va te mettre dans les problèmes. Si tu pas chanter sur la scène du Mola là, machin tout. Mais les gars lui ont dit que Mola ne t'approche pas du bonhomme là. Si tu veux pas qu'on te boycotte ici au Cameroun, on te blacklist et tout ça. Et là, il m'a surpris, les gars. Il m'a surpris. Mon esprit était préparé à que lui-même me dise non. Il m'a surpris. Il m'a surpris en disant oui, il va venir. Quand il vous dit que les gars préfèrent, les artistes camerounais préfèrent aller chanter dans les Nganda, dans Paris, que de venir rapper, je venais chanter avec moi. Bah oui, 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 oui. C'est plus sécurité. Belle à la pauvreté que les problèmes. Belle à le bas de gamme. Belle à le bas de gamme. Que les problèmes. Donc, je tenais à dire merci pour que vous compreniez l'importance du Belka. C'est pour ça que vous, au niveau de la clinique, vous devez partager au maximum, lui réserver un accueil chaleureux. Vous devez réserver à Belka Tobie un accueil chaleureux parce que venir avec nous, sachant qui nous sommes, les luttes que nous menons, on ne peut pas banaliser, ne banalisons pas. Ne banalisons pas, ça lui a demandé beaucoup de courage. Ça lui a demandé beaucoup de courage et de force. Donc, il ne faut pas banaliser, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il a décidé. Là, il ne veut plus seulement voir ses enfants grandir, mais il ne veut pas les voir grandir dans la misère et la souffrance. Il a décidé de mettre son art au service de l'amour du bonheur collectif, parce que c'est ce que nous allons faire le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. On va célébrer l'amour du bonheur collectif. Le petit groupe de personnes, je vous ai dit toujours, ce n'est pas 500, il ne faut pas être 1000, 5000. Je préfère avoir 5 personnes chargées d'amour pour le bonheur collectif dans ma salle que d'avoir 5000 jouisseurs qui sont venus nous, qui viennent croire qu'on est là pour les amuser. Non. Chaque concert du général est un meeting-concert parce que je suis un rappeur politique et c'est normal que je fasse un meeting-concert. C'est l'expression même de l'amour pour le bonheur collectif que nous mettons en lumière et espérons que vous viendrez nombreux avec l'amour. Parce que ce jour-là, on va distribuer de l'amour. Je vous ai présenté le Zedadi, vous le connaissez. Tous qui seront en mode VIP. VIP maintenant, c'est version meet and greet. Comme ça qu'on dit ça. On dit maintenant version meet and greet. Ça veut dire que vous êtes invité dans une petite fête, un petit salon privé avant le concert. Vous partez dans le petit salon privé là, avec quelques artistes. On sera là-dedans. Moi, Belka Tobi, Nian Zouer, Lady Ponce. Tous mes invités prestigieux qui seront là, on va vous recevoir dans la version meet and greet derrière et tous qui auront eu le billet meet and greet, la version, vous pourrez avoir non seulement le Zedadi qui va vous faire l'amour le restant de votre vie, nous ne serons que 200 sur la planète à avoir ce Zedadi. Donc n'allez pas croire les enfants, c'est notre histoire, nous ne serons que 200, on en a libéré 75 à la Madeleine, il en reste 125. Zedadi, que je vous conseille de prendre parce qu'on aura ça en commun. C'est unisex, ça habille les filles comme les garçons. Et c'est magnifique parce que c'est de la soie de cygne qui vous caresse la peau. Et ce sera ça que nous aurons en commun. Pour 200€, vous êtes dans la version meet and greet avec nous derrière. Et vous avez le Zedadi, coupe de champagne, photo, calm down, prestige quoi. Merci beaucoup Belka Tobi encore. Je voulais prendre toute cette matinée pour te dire merci, merci et merci. La fête sera belle, elle sera aussi belle parce que tu as décidé d'apporter du tien, de donner ta force. C'était papa, les enfants.